Aujourd'hui, nous suivons notre carte magique vers le château de l'End. Ici, nous allons trouver des pièces secrètes, mais surtout des pièges mortels et le portail de l'End dont nous étions à la recherche depuis plusieurs semaines. Allez, c'est parti! Le point commence à être pas mal gros sur la map, mais pourtant, il a l'air d'avoir rien autour de nous. Oh! Est-ce qu'on sait pas ce que... ça va remettre nos adieux. On ira les revoir au pire avant de partir. Let's go! Hey, panté chinois, bye Archibald! Bye bye, on revient. Attends, au pire, on met le lit à l'entrée. Ouais. On revient, promis. On va explorer. Oh, il y a des coffres. De la merde. On a un autre autre bord. Il y a juste rien dans l'autre. Waouh! Il y a un petit jardin ici. Hein. Je pense que j'ai trouvé une bibliothèque. Avec un livre? Hello. Oh! Mais c'est big! Ah, il y a une pièce là. Oh, des fireworks. Des fusées, ça, non? Ouais. Nice. Je suis dans une genre de salle à manger, genre. Et ça monte encore plus haut. Ah, ouais, c'est grand, là. Moi, je suis dans une bibliothèque. Ah, il y a des pierres! What? Il y a des pierres? Oui. Ça m'a redescendu. Avec une arbalète, viens. C'est pas un village de gentils, c'est un village de pions. Ouais. Ils sont en bas. C'est pas eux qui avaient pété le portail, là. Ah, merde. Quoi? Oh oui, ok, oui, il y a un pion. Un autre pion. Là! Oh, what? C'est quoi cet endroit-là? Pas de boss! Ben, ça. Ouais, il y a un coffre piégé, j'ai foutu de la merde! Qu'est-ce que t'as pas fait? Ok, il y a des pièges pour vrai, là. I guess. Oh, on est où, man? Vous me suivrez, Léa, on va suivre un peu, parce que... Il y a un piège. Mais c'est gigantesque! What? Attends, on est... Il y a quoi en bas, une cathédrale, là? Oh, il y a un piège. What the fuck? Il est tombé. Mais c'est vraiment par les pièges, ça. Comment on descend, en plus? Zéro respect. Hello, j'ai interrompu tout le monde! Attends, là, il y a un gros château ici. Il a l'air d'avoir un trône. Hein? On y va. Je pense que j'ai trouvé une salle de torture. Ouf. Et je sors dans ma salle. Tabarouette! Tabarouette! Oh. Il y a des flèches dedans. Des flèches dans la bouche. Ah, c'est de la torture! Oh! Attends. J'ai entendu un levier quand j'ai activé ça. Ici! Oh! Il y a une pièce secrète pour vrai. Bon, il y a rien, mais... Il y avait rien de bon. Et fait qu'il y a vraiment des pièces secrètes pis des pièges pour... Oh! C'est quoi cette pièce? C'est la pièce du Nether. Nether? Ils ont un portail... Il y a rien de bon. Attends! C'est vrai, il y a du mal. Il y a pièce du Nether! Il y a des pièces bien normales. Y a-t-il une pièce de l'End? I guess faut trouver la pièce de l'End. Ouais, j'avoue, y a peut-être un portage. Mais là-bas, j'ai vu une pièce ici, là. Ah, viens, on y va. Y a un trône. Attends, y a des leviers. J'en ai activé un. Y en a un autre là-bas? Ah, ok, oui, y en a d'autres. Oui. Ça va sûrement peut-être ouvrir le trône, non? Attends, y'en a un autre là, j'en ai voir. Oh! Oh! Oh, what? Ok, ça c'est... Oh! Oh my god. Ouais, c'est de la merde, mais on a trouvé une pièce secrète. Là, c'est côté! Ouais, y a deux tunnels. Ok, je vais dans l'autre, moi. Encore des trucs de même. Aïe, aïe, what? Ok, pour ressortir, c'est ici, ouais. Monter. Merde. Pierre! Je vais le tuer. Boum. Ouah! Oh, il y a une bannière, lui, par exemple. Il y a un pierre avec une bannière, là. Du lait, au pire, tue-le. Allez, abonne-toi.
Wow. Attends, il y a une salle mauve là-bas, là. Oh! On se promène de toi en toi. Il y a un coffre. Fait qu'on va passer par ici. Non, check là. On va passer en dedans. On va faire le tour. Ça va être long. Ben non, c'est un carré. Hop! Oh. Hello! Merde, on arrive de là. C'est bon. Ouais, la salle mauve est par là. Ah! Oh. Il y a un wagon là. Faut descendre d'après moi. Ah, il y a un aquarium! Ah, oh, c'est mais ils ont pas d'axe là. Ah, ok, c'est ça, la bouffe, elle monte ici. Il oh, monte oui. La bouffe en haut, c'est hot. Attends, il y a une place, il y a un truc en haut, je vois, c'est quoi. Ah, pire! Oh, la pièce mauve, c'était là, je pense. Oh! Oh. C'est ça pour vrai, je pense. Oh! C'est bon! Let's go! Ok. Oh, attends, il y a un coffre en haut. On va fouiller un peu la pièce. Va le chercher. Je vais aller voir plus loin, là. Ah bah salut, coucou! Y'a que de la merde! Il manquait-tu encore un œil ou pas? Je sais pas. Je pense qu'on les a peut-être les 12. Touchez pas au portail! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Y'en manque un? Check donc le livre. Ouais. Œil ancien. Détenu par une ancienne civilisation égyptienne. Œil bouillant. Détenu par les créatures du feu du centre de la Terre. Œil gelé. Artefact trouvé par les géologues du Nord. Œil perdu. La légende raconte que son emplacement est à l'intérieur de temples perdus dans la jungle. Œil des abysses. Trouvé dans les trésors de l'océan. Œil féerique. Détenu par les magiciens pillards. Œil de pierre. Trouvé dans d'anciennes mines. Œil corrompu. Détenu dans les avant-postes des pillards. Œil du Wither. Appartient à un ancien esprit maudit. Œil des mers. Gardé par des demi-dieux marins. Œil de sorcière. Une ancienne recette vous permet de créer cet objet. Et on l'a pas créé. Ouais, c'est ça, je pense qu'on l'a pas créé, ça. Ok, attends. Il y a des sorcières qu'il nous faut. Il nous en restait un, hein, là, il me semble que j'en avais. Ouais, j'en ai un, ok. On va essayer de trouver la recette. Ah, ok, t'as gelé. Il faut un œil de Lender et une pupille de. Ouais, la pupille, je l'ai. Et il faut un œil de Lender, t'as tout ça. Ouais. Ouais, tu me le donneras, il faut ça, puis la pupille de sorcière. On va pouvoir faire l'œil. Lancer. Ok, nice. Bon. Donc, il ne reste plus qu'à mettre les yeux. Let's go. Oh, ils sont beaux en plus. Ok, l'œil corrompu. The Dark Crystal Eyes. Guardian Eyes. Lost Eyes. Nether Eyes. Oh, il est beau. Magical Eyes. Twitter Eyes. Ah, lui, on voit à peine. Ouais, lui, on ne serait même pas un œil. Old Eyes est trop beau. Ouais. Moi, j'aime trop. Et Old Eyes. Black Eyes. Black Eyes. Oh attends. My god. Attends, c'est quel ton préféré, toi? Moi, soit le bleu ici, ou le rouge, je pense. Le mode... Moi, c'est le bleu ou que t'es, le rouge ou le bleu pâle. Ah, il est quand même beau, lui, avec. Dites-nous en commentaire votre préféré. Ouais, pas. Ouais. On a enfin récupéré les 12 yeux. Oh, let's go. Ça a pris du on temps. On y va? Ouais. Un. Ah, tu montes cruel. Trois, wow. Ok, moi ça lag. J'étais genre bro. Hey, c'est quoi ça? Oh. Hein? On a reçu des livres. Oh, je vais voir c'est quoi les livres à lire. Et les livres, c'est un nouveau voyage. Explication Envey. Il y a l'explication du livre. Ok. Bon, le nouveau voyage, on va lire. Ouais. Jour 1. Nous venons tous d'arriver en espérant être loin de ces foutus pilleurs. Mais tout ce que nous avons trouvé, c'est un énorme dragon voulant nous tuer. Nous avons donc fui faire des îles lointaines, en espérant que la faune locale soit plus tranquille. Nous laissons ce livre ici au cas où quelqu'un vient à notre rescousse. Bonne chance. Faut lire pour secourir
les gens qui étaient là avant, fait que je suppose que c'est les villageois. Ouais, il y a des bonnes chances. Puis maintenant, l'explication du livre enchanté. Nous vous laissons aussi ce livre enchanté. L'enchantement est plutôt méconnu, mais nous avons découvert que les créatures semblent moins être agressives lorsque nous les regardons à travers un casque enchanté de celui-ci. Plusieurs utilitaires affirment qu'ils auraient d'autres pouvoirs, mais nous n'avons pas encore eu de preuves. Ok, fait que ça l'aide. Pour mettre ça à notre casque, okay. I guess. Oh, il y a le dragon là-bas! Ouais. Est-ce qu'on aille faire le dragon Ah, ben en vrai, c'est quoi ça faisait? Le casque? J'ai pas trop. Les créatures semblent moins agressives lorsque nous les regardons à travers ce casque-ci. Oh oh! Mange des pommes. Continue. C'était quoi le livre, tu me disais, là? Puis en fait, le livre d'enchantement, il va. Quand on va le mettre, faut le mettre sur notre casque. Ça fait que les quand on regarde les monstres, ben les créatures, ils vont être moins agressives. Fait qu'exemple, genre les Enderman, là? Ouais, les Enderman qui nous défoncent d'habitude, ben là, ils vont être moins agressifs et qu'on va être capable de les défoncer à notre tour. C'est qui met le livre enchanté sur son casque? Bon, peu importe, je peux le prendre. Ouais, déjà que t'as un enchantement full fou, mais là, ouais, ça va être drôle. Ouais, je me dis que mon casque, je risque de pas le changer, là. Il est assez fort. Mm.